Bande Kobalandi à Sentinel TV, Bozali Bongo en direct qui a Sentinel TV avec les messagers pour VV 3030. Tozali Bongo na Sango ya Mawa, oui, comme le biso na Mboka Peterborough. Peterborough, ils allaient 45 minutes à Londres. Bozomo na ba photo na zo défilé. Le soi-disant pasteur Denis a outi ko sacrifié moi sinaé, maman bananaé, oyo. Mama bana teme mwasi ne pou babota kite, awouti ko sakrifiye, mwasi ou elenge, mwasi ou kito ko bozo mwona, awouti ko zala sakrifiye. Alors, tango biso, ba proverbe 30-30, toyaka ko loba, toyaka ko monte na kreno pou na ko denonse, ba tebele ba mwona gane ti biso to lukara ba problem, ba tebele ba mwona gane ti biso to za, ba ta kimiate, or, makam tu biso to salaka eza biblik, tanga na Ezekiel 33-18, ba lobi boye, quand je dirai aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour les détourner, les méchants de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alors, je ne veux pas avoir le sang sur mes mains, ni sur ma conscience. Yango moni, toboi, ba, sang ya, ba, to yamabe, nzambe ayako. C'est ngangwe et pas nabiso. Alors, ngana koloba mingite, to yoka témoignage ya famille ya mwana mwasi, ou a outi koukoufa, maman pasteur, ou a outi koukoufa, ba ndekone propre bat bazo témoigner, après, na kozo ngana conclusion.
Dieu l'a fait à ma magie, quoi, qu'ils avaient fait. Donc, et puis ça, ils sont pas si. Alors, les raisons pour lesquelles que lui avait avancé, que Bakanga Serke, on a des mensonges. Donc, il disait, oh, nous autres, Yamoué, et Zaki, Mabé. Et ça, et Beba qui avait du sang du côté gauche, le visage naïe, oh, le cou était tordu, et tout ça, c'était des mensonges, donc fabriqués. Donc, on s'est rendu compte maintenant que la vraie raison, c'était Madame Bouane, il y a ma robe blanche, il m'a dit, voilà, va sortir, donc, va les tuer en avant. Donc, des mensonges. Et quand la femme meurt, les pasteurs fuient, donc ne se présentent pas au funérail, même pas sa famille. Sabotage moral au Sanadé, donc humiliation au Sanadé. Il ne se présente pas au funérail, même pas sa famille, même pas un mot. Et la même façon à Kim, donc personne n'est parti donc, au matin là, de sa femme chez nous. Donc, sabotage, grand sabotage. Voilà ce qui est arrivé. Maintenant, jusqu'à présent, il s'est caché. Et by the way, pendant ce temps-là, son diable, hein, non, Aza très malade dans l'hôpital. Non, il n'était plus malade. Il était déjà déchargé. Aza qui l'a centré à la réhabilitation. Et by the way, moi, je l'avais même vu à travers donc, fenêtre naïve, Kazalaki. Donc, il pouvait venir. Sabotage à Osanate. Maintenant, il est en train de se cacher. Il a coupé tout contact avec la famille. Un grand manipulateur. Il essaie de manipuler les gens dans la famille pour semer la division. À ce moment-là, donc jusqu'à présent, les impasses. Donc, ces genres de choses devraient en fait cesser. Tozo Sengaye, Aya Abima, qu'il s'explique à la famille pourquoi il avait abandonné sa femme mourir. Pourquoi il est à Kendaki Hôpital, à Tiki Mwasinanda. Pourquoi il avait verrouillé les cercueils pour que même la famille ne voie pas le corps de leur soeur, de leur enfant. Pourquoi il se cache? Pourquoi il ne veut pas s'expliquer? Pourquoi il continue à se verrouiller, à parler à la famille par des intermédiaires? Mais Aya Voloba, pourquoi il a fait ça? Donc c'est en fait un criminel. Voilà un peu. Merci, parce que bon, tout le criminel, tout le monde a bamouti la Congo. Donc merci à ton de Koranga et mes condoléances. De Koranga et mes condoléances. Ouais, bout kolanda wana ndeko propre ya mama na biso Odette oyo autaki kotika biso na mboka Pitéboro oyo soki totali bien selon explication en famille ezali ba pasteur oyo ba simbi ba kisi ba oyo ba komi ko sacrifier basi na bango po ete ba matangenge po te bazwa mbongo ebele ezali bongo mawa mingi sikoyo ba ndeko ya famille Kisuka parce que Odette Kisuka azana ba ndeko ne propre misu bazana États-Unis misu bazana UK misu bazana Kikwit ba misu baza awa bongo na poto bazo tuna ba question balobi il y a quelques années passées 2 ou 3 ans je me trompe pas ndeko ya ye pasteur auta Kinshasa kombo wa pasteur ango Etienne ye a kufaki mystérieusement. Alors, Makile Bimaki est dans la chambre, mais pasteur a koufa sans battre tout baïeba. Liwa ale qui a deni aboya a sepelisa, mi beko na église na ye. Donc, oeza ba message bazo tinde langa. Donc, balobi ba ndeko nyon sotou ya deni bazo luka baïeba. Pourquoi ye pasteur a kangaki kor ya ndeko na bango, a latisi yango bilamba ya o basala kabango ba. Ba sacrifice. P. Pourquoi yé pasteur a batami ti lelo a balaki mwasi me banda mwasi a koufi a monani na nani jour à l'enterrement a zate a communika na famite nenge la rakeso yé mwasi a koufi il faut ben a famille boufon la chambre azwa ba biloko mwasi bilamba na ye biloko yo mwasi a sombaki ba pesa na ba famille atiko sala ngote azako batama. Alors pourquoi biloko ya boye? Et puis famille sous bazo tuna que ye mobali a meka ko balobi pourquoi Denis ye pasteur Denis le soi-disant pasteur ou a sacrifié Odette a memaki Odette n'hôpital te ye moraki n'hôpital atiki Odette nandaku. Et yemutazaki n'hôpital ndenge nini ye azako lobaza malade
mais mukolo mwasi akufi a se permettre à bimin hôpital a ke ko sala ba cérémonie akola tsa mwasi ba bilamba wana nyoso tu oyo balatsaka mutu soki bazo sala ba cérémonie na beglise ya ba voodoo pe a pesi ordre ba famille bazo akorte. Et pourtant mwasi soko balié soki mwasi akufi mwasi azaka so mwasi mobali te azonga kana famille, donc il faut remettre mwasi akufi na famille, famille na yo mobali bokunda ye ensemble. Du susu batuni pona nini alataki odete robe ya pembe na ba cordelette na ba épée asaleli ba rituel magique. Pourquoi il avait des mensonges? Il a dit des mensonges soit disant que le corps de Doete et son visage étaient abîmé pour qu'on n'ouvre pas le cercueil, alors que tout était faux parce que leur famille ba insisté ba kebongo na pompe funèbre ba insista ki après ba tu ya pompe funèbre ba iku fungola cercueil wana po ba pesa bango corps. Donc ezali ba question oyo ba membre ya famille bazo tuna. Ezali ba question oyo bino ba tozana Peterborough boyebi pasteur de soi-disant pasteur sataniste Denis et ali place tout bokomo na ye bo pesa ye confiance te parce que c'est un criminel oyo auti ko sacrifier mwasi na ye ndenge bozo mona baza ebele ba pasteur soupu na mangembo sacrifier mwasi na ye ye pe Denis sacrifier mwasi na ye na pesa bino ke et ko landana beaucoup mona ba pasteur sataniste belé ba ko sacrifier basi na bango parce que zali bongo ordre suprême au ba outi ko se par ba démon au yuza chef na bango Satan. Vraiment ndeko na biso Odette a ko pema aza sus na biso te si ba kunda kié biso autotikali to zo mayele tango zo ke ndoko sambela ye ba église ni zo ke ndo sambela tango zo zo mobali parce que Odette na Denis ba kutana awa na poto na centre Ngunda ba ebana ki ba famille na kinité. Et ça m'a bête kokutana mwasi to mobali na poto, mais luka oye ba état d'âme na ye, luka oye ba famini nozobala, tala Odette ayeba kite ke mukolo akutana ki na Denis, et la ki mukolo oyo azo pesa bo moyi na ye, et pa ya un sataniste oyo ako sakrifye. Bato balobi ke Denis wana azaka sango na Afrique, mais akomi awa komi pasteur, et puis azali bongo ko se comporte lokola un gangster, lokola un sataniste. Voilà, ezala ki bongo contribution à biso il y a le messager Proverbe 30-30 na Sentinel TV André ka Manchester pour na sonner sonnette d'alarme ya kuluka ko yebisa bino que Denis c'est un criminel ou auti ko boma mwasi. En tout cas il faut tolander likambo ti na suka parce que ndeko oyo azali bongo moto ya misala mabe. Nzambe a batela bino, nzambe a pesa kimia na famille oyo ba perdre ndeko na bango net Odette, nzambe sangisa ba ninga nyonso tout oyo bazana ba situation boye ba bimana ba mabala boye loboko na nzambe e arrêté ba crime du susu oyo eniko salama na mikolo avant to koma na fin de l'année. Vraiment ezaki bongo contribution ya Proverbe 30-30 depuis Manchester. Bye bye for now, yesunde mokonzi.